Cet après-midi, si ça reviendrait vers 15h, mais c'est des orages. Une marque essentiellement nuageux. Pas trop beau temps, ça, non? Non, c'est mitigé. Et demain, de la flotte. Mercredi, ça revient aux nuages. Jeudi, vendredi, samedi, de la flotte. Non, mais vendredi, là, quand j'ai acheté Patrick, vendredi après-midi, il était dans les boîtes gros sacs en train d'en récupérer. Quand je l'ai eu au téléphone, il avait déjà rempli un panier, il est en train d'essayer de remplir le deuxième. Vous connaissez quoi, un gros sac, quand même? Ben, il me disait que c'était le point où il avait été voir quand il était sur la SGV. Et ben, il y va tous les ans et il en faut. Si, quand tu vas direction Marceau-Brossac. Travers.
Attention la belette pour Dandy 33 qui t'appelle. Les amis Thierry, 73-51. Les 73-51 au... Nico, non, c'est ça? Non, RGP 32 en mobile. Ok, ben moi c'est pareil, là je suis en mobile aussi, n'importe quoi. Oui, je suis dans la côte de la GT. Hein. Là, un peu bloqué là dans les bouchons de ce côté-ci. Ben moi j'essaye de les éviter les bouchons. Tu prends des bouteilles à la place. Ok, d'accord. Saint-Loubès. Ah bah oui, en bas, tu veux dire, ou du côté de la voie rapide? Non, je sors de l'autoroute et je vais direction Saint-Loubès. Je pense que je vais essayer de passer par Ivrac. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà, moi de mon côté, là, j'essaie d'attraper la rocade, puis après la sortie 26, direction Libourne, puis Castillon-la-Bataille. Ça fait un petit moment que je n'ai pas entendu la belette. Là, il doit y avoir des horaires un peu différents en ce moment. Allez, je te souhaite la bonne route, à la prochaine. Ok, Rémi, les bonnes 53-51 et très heureux de t'avoir trouvé sur l'air ce matin. Ah bah tout ça retourné, pareil. Hein. On a un soir sur deux, ils font une heure à nettoyer les camions.
être le deuxième à partir. Ah bah, t'avais... Donc, je sais qu'il devait partir avec Jules, je crois que c'était ce que je partirais. Donc du coup, bah, à ce moment-là, moi j'étais en train de boire un café, en train d'attendre pour qu'il parte, tu vois. L'Amandine est arrivée, elle m'a vu boire le café. Et puis bah, après, dans la foulée, Julien est arrivé, il a dit, bah, je pars avec Ludo parce que Stéphane n'y est pas prêt, parce qu'elle fait comme ça. Alors qu'elle m'a vu 5 minutes en train de boire le café, bah, pour elle, pendant 40 minutes, j'étais en train de boire le café. Attention la belette pour Dandy 33 qui t'appelle. Les stations qui arrivent là du nord là vers le pont d'Aquitaine, tout le monde est à l'arrêt. C'est complètement bouché, bouché, bouché. Bonjour. Bon, du côté du pont d'Aquitaine, faut pas y aller. Là, c'est pas bon signe de ce côté-là. C'est complètement bouché. Savignac pour Ménestré.
Ah d'accord, ok, ouais. Ah mais il y a du monde là qui m'attend. Ah oui, ça marche bien. Quelqu'un qui s'est manifesté là, mais bon. Possible que ce soit un convoi exceptionnel vu le canal. Le canal assez bas comme ça sur le sud-ouest, c'est bien souvent les convois exceptionnels qui se mettent là. Entre le 1 et le 15, oui. Parle plus. Les stations qui sont en stand-by là derrière, si vous voulez attraper la rocade de Libourne, là à partir de la sortie 9, là c'est complètement bouché. Hein. Si vous avez une autre solution là, pour éviter d'être coincé là ici, eh bien, y a pas de souci, allez-y. D'ailleurs, j'aurais mieux fait de prendre la sortie 8 au lieu de la 9, à chi trois coups.